faites partie de l'association, nous aussi. Pourquoi vous faites partie de cette association? Pour essayer d'aider des personnes aussi, des personnes qui ne savent pas quoi faire suite à une agression verbale ou physique. Et donc on est là pour leur amener des clés pour savoir quoi faire et où aller pour se défendre. C'est vrai que à une époque, il y avait des personnes qui regardaient ces personnes un peu de travers ou qui parlaient mal d'eux. Mais moi personnellement, c'est vrai que je trouve ça dégueulasse, quoi. Et puis on essaye de montrer aussi qu'on est capable d'être aussi comme eux. Cette association, nous aussi, elle vous a apporté, vous, beaucoup? Oui, parce que je dis que c'est important d'être dans l'aide des personnes qui ne savent pas quoi faire, où aller, ou comment se diriger, quoi, dans la vie. Donc je dis que c'est important d'être là pour eux, quoi. En fait, c'est vous, il y a la curatelle qui vous donne un coup de main, etc. Oui. Et vous aussi, vous donnez un coup de main aux autres. Voilà. Parce que peut-être que ça peut être utile à des personnes que, je sais pas, s'ils veulent partir en vacances, mais avec un truc adapté, leur apporter ça et voir avec s'ils ont une curatelle, en parler à leur curatelle après. Vous partez en vacances? Moi, jamais, j'ai jamais le temps. Parce que j'ai deux chiens à la maison, alors faut choisir. Par rapport à nous aussi, il va y avoir le congé. Oui, aussi, ouais. Vous travaillez dessus? Un peu le soir, ouais, chez moi, quoi. J'essaie de trouver des idées, des... Vous allez y aller. Ouais, je vais y aller. Est-ce que vous avez prévu un thème particulier? Vous avez envie de dire quoi à ce congrès? Vous avez quelque chose de... Surtout sur le mauvais respect, le regard des gens aussi. Vous faites partie de nous aussi? Oui, depuis cette année. Comment vous avez su que ça existait? C'est Florent Palisson qui m'en avait parlé. Et après, c'est Monsieur Roucou, qui travaille à l'atelier, qui m'avait fait part aussi. Et du coup, je me suis mis, quoi. Et c'était sympathique. Quoi. Pourquoi vous y êtes mis à la... Pour le regard sur le handicap, essayer de faire changer les choses. Puis... faire partie d'un groupe, quoi, pour essayer de faire avancer les choses, quoi. Est-ce que vous avez été gêné par le regard sur le handicap? Moi, non, mais... C'est un peu embêtant de se faire insulter ou regarder de travers, quoi. Enfin, vous avez des amis à qui c'est arrivé sur... Oui, à l'époque, oui. Vous disiez, vous aviez... C'était bien, nous aussi, c'était un groupe. Oui. C'est important de se regrouper. Oui, pour faire... y aller en masse, quoi. Pour essayer de faire... discuter, faire des projets. Il y a un congrès de nous aussi qui va... Oui, à Vannes. Ah, c'est important. Oui, à Vannes, oui. C'est important, ça. Oui. On va d'ailleurs demain, oui, on va prévoir, on va parler de l'association pour les réunions tous les deux mois. Et en même temps, on va parler du congrès pour faire la liste des inscrits, pouvoir parler. Et ton visage de je sais pas, d'être au bureau, d'être non. président? Non, non. Non, c'est pas. Tu es un trésorier. Hein? Trésorier. Ah ouais? Pour m'en mettre plein les poches. Non. Non, oui, enfin, je sais pas. C'est... Oui, pourquoi pas. Alors, cette aventure, nous aussi,
Alain, vous êtes très impliqué dans vous aussi. Très impliqué. Ça me correspond aussi, je suis quelqu'un d'handicapé. C'est pour l'aide aux handicapés, donc c'est bien de penser que dans la vie courante, l'handicapé soit reconnu, qu'il soit respecté selon ses droits. Voilà. Le respect, j'entends le mot respect. Respecter. Parce qu'il y a des gens qui ne respectent pas les handicapés, comme d'autres, voilà, d'autres personnes. Et alors pourquoi nous aussi ? Eh bien, j'ai été la première fois, bon, j'ai parlé à M. Loubet, ça m'a appelé, ça m'a touché, voilà. Et je suis content d'être adhérent à nous aussi. C'est important. Et ça m'a touché dès le début. Hein. Et je me sens vraiment bien avec tout le groupe de nous aussi. Ça a changé un peu votre façon d'agir par... Oui, voilà. À l'extérieur. Ma mère, elle m'a dit que ça me faisait que du bien, même au foyer. Et puis écouter d'autres personnes, pas toujours le milieu du travail, le milieu du foyer. Il faut sortir de ce système, bon, entre guillemets. C'est bien de s'ouvrir aux autres. S'ouvrir aux autres, être à l'écoute des autres, dialoguer, voilà, c'est bien. Expliquer ça aussi comme on avait à La Réunion, dans les lycées, dans les... voilà, des trucs comme ça. Parce que les jeunes, ils se font alors si on ne veut pas à leur rencontre pour expliquer. Il y a une barrière qui se crée. Mais quand même, ça a évolué maintenant. C'est bien de rencontrer d'autres personnes, discuter, comment ils sont dans la vie, voilà. Je voudrais m'engager, petit à petit, ça se fera, mais plus, comment ça, plus professionnellement, si tu vois. Plus m'impliquer, parce que je m'y plais vraiment. Petit à petit, hein, comme on dit, l'oiseau fait son nid, petit à petit. On ne peut pas arriver à Z sans passer par le D. Vous seriez prêt à être représentant de nous aussi au-delà de Carcassonne, alors ? Ça vous plairait ? Mais accompagné, pas tout seul. Voilà, voilà. Ça ne me dérangerait pas. Une belle ambition. Voilà. Mais petit à petit, on ne peut pas franchir les étapes comme ça. Mais, moi, par exemple, je suis rentré en janvier 2004 au foyer d'hébergement de Sessac et je travaille en espace vert à Castelnaudan, à la PHH. Alors, je suis rentré au foyer en janvier 2004, donc ça fait 12 ans. Donc après, j'ai été président du conseil vie sociale. Et après, j'ai arrêté pour être président de l'association Nous Aussi. Le président de Nous Aussi. Voilà, de la délégation audoise, parce que pour défendre les personnes en situation de handicap, leurs droits, j'ai même eu la médaille du mérite. La médaille ne me revient pas directement à moi, elle revient aux gens de Nous Aussi. Voilà. C'est important d'être collectif. Hein, c'est ça. Vous vous sentez plus fort en étant collectif que tout seul. Oui. Ça vous a aidé, vous, dans votre parcours de vie? Ah oui, oui, tout à fait. Parce que moi, je suis arrivé sous le foyer, j'étais très, très timide. Et il y avait une éducatrice qui m'avait proposé de faire un atelier théâtre. J'en ai fait pendant 6 mois. Et petit à petit, j'ai commencé à parler devant du monde. Et là, je pourrais parler devant une personne. Il va avoir la journée de la TDI sur l'autonomie. Donc l'autonomie, et je vais participer à une table ronde. L'autonomie, je trouve ça important, que les personnes... les résidents et les personnes en situation de handicap peuvent faire prendre le bus, faire leurs courses eux-mêmes. Voilà, l'autonomie, c'est hyper important. J'ai rencontré une dame qui avait sa fille, qui avait un handicap. Et en fait, elle me dit que c'est un peu difficile et tout ça. Et c'est de là que j'ai expliqué qu'ils étaient créés une délégation dans l'ordre, que si jamais elle avait des questions, j'ai laissé mes coordonnées.
si jamais elle voulait savoir des choses, tout ça, pour les moqueries. Après. C'est le rôle de nous aussi, ça, ouais, c'est d'être ça. Près des gens. C'est, et, ça. C'est ça. Est-ce qu'on peut dire que l'autonomie, c'est la même chose que la liberté? Oui. Oui. Ah oui. 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 Il y a un besoin de liberté. Oui. Le vote, c'est important, par exemple. Voter. Oui. Voter, oui. Sur le foyer, moi j'étais président et vie sociale. Ils étaient 3, maintenant nous sommes 13. 13 à voter ? 13 à voter. Bon, après, on a fait des démarches avec la mairie pour savoir comment se passait un conseil municipal. Ensuite, nous sommes partis à Paris pour aller visiter l'Assemblée nationale, le Sénat, voir comment les lois se font. Et depuis, ça marche. Puis bon, des fois, bon, les gens, les résidents, ils viennent me voir. Ouais, bon, mais ça se passe comment le vote ? Moi j'explique, je dis voilà, il faut prendre des papiers, vous mettez dans l'isoloir, vous choisissez, vous mettez dans l'urne et vous signez. Moi je trouve normal que les personnes en situation de handicap votent, parce que c'est des citoyens français comme tout le monde. Donc je ne vois pas pourquoi on serait nous d'un côté et les autres de l'autre. La société, c'est tous ensemble. C'est quoi le bonheur pour vous? Le bonheur, c'est. Mais, moi, je suis content déjà de faire partie de cette association. Et donc, c'est un bonheur parce que moi, je vois que petit à petit, les choses avancent. Ça, je vois que ça avance. J'ai eu un diplôme, j'ai été médaillé. Et c'est des choses qui ne m'étaient jamais arrivées dans la vie. C'est des choses qui me resteront marquées à vie. Vous êtes à la tribune de Vannes, oui. Et vous avez une chose à défendre, à dire, au nom de nous aussi, Carcassonne. C'est quoi qui vous tient le plus à cœur? Alors, donc déjà, ce qui me tient le plus à cœur, c'est que déjà, respecter les personnes en situation de handicap. Après, l'autonomie, ça. Et après... vivre normalement en société, voilà, parce que la France c'est aussi global et faire partie, on est des citoyens et ça me tient beaucoup à cœur et je défends tout ça, voilà. Donc je vous remercie d'avoir regardé ce film. Donc cette association, vous l'avez compris par rapport au film, c'est voilà, je l'ai dit dans le film, je parle de la société, j'ai parlé du vote, hein, j'ai parlé de défendre les personnes en situation de handicap, et ça, c'est, je l'ai dit dans le film, ça me tient beaucoup à cœur. Donc après, on se réunit à peu près en Carcassonne tous les 2 mois. Pour parler des projets et tout ça. Et là, on est en train de préparer le concret de Vannes. Donc, on cherche des finances pour y aller, parce que Vannes, c'est pas la porte à côté. Ensuite, on est allé à Montpellier, rencontrer monsieur Jean-Baptiste Briol. Donc, il s'excuse, il peut pas être là. C'est bien dommage parce que c'est quelqu'un qui avait beaucoup d'idées. Ensuite, nous avons fait des interventions à l'IFAC, à Carcassonne. C'était pour faire connaître notre association à des étudiants, des infirmiers, des moniteurs éducateurs. Donc là, je vais laisser la parole à Alain, il va vous expliquer. Nous avons eu 2 réunions à l'IFAC. Bon, la première fois, il y avait trop de monde, on était trop nombreux. Mais quand même, ils étaient à l'écoute de ce qu'on disait, voilà. Et après, on en a eu une seconde. Donc il y en avait beaucoup, presque tous étaient intéressés. Ils nous posaient des questions. C'était vraiment...
ils s'accrochaient à ce qu'on disait, ils en parlaient. Et aussi, bon, nous aussi, il y a beaucoup de choses à faire sur Carcassonne, hein, parce que pour les handicapés, il y a des endroits qui peuvent parler. Moi, je suis contre tout ça. Et je vais vous dire, on doit aller à Vannes. Mais pour aller à Vannes, il faut du... Voilà. Donc, il y a une boîte, une grosse boîte, je ne sais pas où elle en est. Chacun met ce qu'il veut, parce qu'on ne prendra pas un car si on n'a pas de gasoil. Exact. Voilà. Chacun fait ce qu'il veut. Voilà. Et on attend aussi de l'argent. Voilà. Parce qu'à Vannes, si on part à 8 ou 9, l'hôtel, voilà. Bon, je passe. Bonjour, je m'appelle Patrick Chézille. Je suis agent d'entretien au foyer de Capendu depuis 4 ans. Et je travaille aussi à la PHH 11 depuis 1985. Je suis adhérent à NUS aussi depuis un an, c'est ma deuxième année. Je tiens à remercier la TDI et les autres associations pour leur travail. Et encore merci pour cette si belle journée et bon anniversaire à toute l'équipe de la TDI. Maintenant, je m'appelle Florent Pellisson, travaille à l'ESAT de Penautier. Et si vous avez des questions, on est là pour vous écouter. Pour répondre. Et je passe le micro à Colette, si elle veut dire quelques mots. Vous avez des questions sur l'association ? Oui. Oui. Si tu l'oublies, oui. Comment vous allez faire pour payer votre congrès à Vannes ? Non. Alors, pour payer notre congrès à Vannes, donc déjà nous avons fait deux interventions à l'IFAC où ils nous ont donné un chèque. Et ensuite, petit à petit, on va faire des interventions et, pour récolter des fonds. Et on est allé en Montpellier pour présenter notre association. Nous avons rencontré le Grand Montpellier, l'association Le Grand Montpellier, l'association L'État de Taux, et une association de la Lozère. Voilà. Donc, bon, j'espère que... Je souhaite qu'on monte à Vannes, parce que... Il y en a ici présents, mes amis, je voudrais qu'au moins une fois dans leur vie, ils assistent à un congrès et rencontrer des personnes nationales. Que, par exemple, la délégation de Dunkerque, c'est vachement intéressant. Les délégations de la France, ça permettrait d'échanger avec les autres. Et ça, je voudrais qu'ils le découvrent, parce que si il y a un congrès, ça dure 3 jours. Mais en 3 jours, on en apprend beaucoup. Président, on y arrivera. Voilà. Alors, si elle est d'avis, j'ai une question. Oui. Je voulais simplement savoir si vous saviez à peu près quel budget vous savez pour vous avez pour aller à peu près. Le budget, on n'a pas trop fixé. Après, c'est surtout le transport qui coûte un petit peu. Voilà. Après, on serait tous d'accord à participer un petit peu pour pouvoir y aller. Et après, c'est surtout les bus. Il nous faudrait 2 bus et c'est 250 € le week-end sans l'essence et l'autoroute. D'ailleurs, à ce propos, on a envoyé pas mal de demandes de subventions. Et on tenait à remercier l'UDAF qui nous a répondu et de leur participation. Merci, l'UDAF. Voilà. Monsieur le Président, je remercie l'UDAF. Ensuite, je le disais dans le film, le 7 mars dernier, j'ai été décoré de la médaille du bénévolat et du dévouement. Donc,
comme je l'ai dit dans le film, cette médaille ne me revient pas directement. Cette médaille, elle fait l'honneur de tous mes membres de l'association, nous aussi. Voilà. Vous avez d'autres questions ? Oui. Alors, pour être adhérent, alors déjà, ça coûte, la cotisation coûte 20 euros l'année. Ensuite, il vous faut remplir un papier. Et ensuite, vous recevrez une carte d'adhérent. Et ensuite, vous pouvez participer à nos réunions qui se déroulent à la roseraie. C'est en dessous de la télé, à Carcassonne. Ça se passe le vendredi après-midi. Voilà. Juste, si je peux rajouter, il y a une grosse spécificité de l'association, nous aussi, c'est que les adhérents, les membres, les présidents sont forcément en situation de handicap intellectuel. Voilà. Qui sont accompagnés par des personnes de soutien, mais voilà, les membres voilà, ne peuvent qu'être en situation d'handicap intellectuel. J'en profite, j'ai un micro. Vous avez parlé des personnes de soutien qui sont là, hein, de Jean-François, d'Aline, oui. de Jackie, de Clémentine. On lance un appel ensemble hein, pour qu'il y ait aussi, pour le Narbonne, hein, il y a des personnes intéressées, qu'il y ait d'autres personnes de soutien, que des associations comme l'Abdaïm, l'ANZEI, la PF, peut-être, et d'autres puissent soutenir. C'est un appel que nous lançons. Je crois que votre journée aujourd'hui était belle et qu'on est tous convaincus qu'il faut s'accompagner. Et nous, on apprend autant de vous que vous vous apprenez de nous. On est très contents de ça. Alors, on lance un appel. Hein, on saura le relayer auprès de nos dirigeants. Juste une dernière chose. On a une page Facebook. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager pour essayer de se faire connaître... Un maximum. Voilà. Merci. Bravo à Louis aussi.